Chino Cessier. Le sujet aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles fin avril 2017 ici en France. Et voilà. Et moi, je suis Anna-Sophia Michaelis. Je suis artisan de paix, thérapeute énergéticienne. Et depuis un an, je présente Spirit News sur YouTube, gratuite, pour tenir les gens un peu grands. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde, dans un point de vue métaphysique, on peut dire, pour transmettre des messages de la paix. Voilà. Je vais lire. J'ai préparé un petit peu un texte pour vous, parce que pour moi c'est plus facile de lire. Voilà. Alors, les élections présidentielles. Je reçois les messages du ciel. Et le ciel, il me dit liberté, égalité, fraternité. Ce sont les valeurs demandées par les êtres humains depuis la Révolution française en 1789 en France, mais aussi partout dans notre monde. On est avancé beaucoup dans ces valeurs. On n'est pas encore complètement arrivé. Si on regarde notre monde aujourd'hui, on est encore en train de se battre un petit peu pour ces valeurs. Même de temps en temps, un petit peu ici en France. Voilà, alors moi je suis un clairvoyante, je travaille avec le ciel ensemble. Et depuis longtemps, je reçois toujours une image pour la France. Okay, je vais vous montrer cette image que je reçois, clairvoyante. C'est cette image-là. Okay. Ça, pour moi, c'est la France. La situation actuelle dans la France. L'État est ici en haut. Le peuple est en bas. Mais apparemment, il y a une place du vide entre les deux. Okay. Et ça, ce que j'ai compris, parce que j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a un espace vide, et on m'a dit, il manque un certain dialogue entre en haut et en bas. Pardon. qu'est-ce qui est important pour notre avenir ici, c'est l'intégrité et la transparence. Moi, personnellement, je ne suis pas politicienne, je suis juste une thérapeute et clairvoyante. Mais mon sujet, c'est la paix. Pour le moment, je vois un certain danger en France que les gens vont commencer à se mettre en colère et qu'ils vont exprimer leur colère. Et ça peut être même dans une manière un peu difficile et brute. Mais je pense que tout ce que tout le monde veut, moi, peut-être aussi vous, c'est entretenir la paix, ici aussi l'amour. C'est pour ça que j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour garantir la paix ici, à long terme? Et là, j'ai reçu les messages, on travaille sur notre histoire. Alors j'ai dit notre, par contre je suis allemande, mais j'habite ici en France depuis plus de 12 ans maintenant. Voilà. Alors, l'histoire. On m'a donné deux petit sujet. On m'a dit il y a deux phénomènes qui existent ici en France. Le premier phénomène, c'est le phénomène Louis XIV. Et le deuxième phénomène, c'est la Révolution française. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ce phénomène et qui était Louis XIV? Okay? Alors, plein de gens, je suis sûr, ils connaissent bien sûr Louis XIV qui était une roi extrêmement puissante, 1638 jusqu'à 1715, il a vécu ici en France. Désolée, j'ai toujours un peu de problème avec les chiffres. Et on lui appelait aussi le roi soleil. Il était un excellent danseur, il a fait des ballets, même devant le public. Il a aimé extrêmement la beauté, aussi le luxe.
Et il a laissé payer, il a laissé bâtir plusieurs bâtiments, grands bâtiments, ici en France, surtout une des plus grands et riches palais de notre monde, Versailles. Il a payé des énormes sommes pour construire ces petits palais. Au début, c'était un petit palais qu'on est venu, mais après, il a agrandi énormément. Et aujourd'hui, Versailles, c'est vraiment un endroit qui est luxurieux et aussi immense. Et il est encore un symbole de l'extraordinaire, des éminents, presque de quelque chose de surnaturel et divin. Et voilà. Et on oublie quelquefois que Louis XIV, même s'il était puissant, pendant sa vie, quand il était malade à la fin de sa vie et quand il était mort, après même, les gens, ils ont fêté sa mort parce qu'ils étaient quand même heureux aussi qu'il est parti. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est le phénomène Louis XIV? Louis XIV, il a accepté une grande pauvreté de son propre peuple pendant que lui, il a construit ses palais immenses. Il y a aussi des parcs et plusieurs immenses bâtiments. Et aujourd'hui, on peut encore profiter de ces projets. Il y a 3 000 personnes par an qui visitent encore Versailles. Et plus de 7 millions de personnes par an qui visitent le parc autour de Versailles. Et voilà, on peut profiter de cette beauté, de cette grandiosité à tout le monde. Mais jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que Louis XIV, voilà, et avec Louis XIV, la France est arrivée, comment dire, sur un sommet le plus important de son histoire. Et un effet que je vois jusqu'aujourd'hui, c'est il semble que de temps en temps, il y a encore certains faits sur le peuple et sur l'État. Il semble de temps en temps que quelquefois l'argent que le peuple confie à l'État, quelquefois ça disparaît un petit peu. Voilà. Pour le bien-être, pas toujours du peuple, mais quelquefois pour le bien-être de personnes. Voilà. Un peu comme chez Louis XIV. Voilà, pour le moment, apparemment, on a l'impression, les gens ici, ils dorment un petit peu, qu'est-ce qui se passe? On essaie de profiter au maximum de la vie, de toutes ces choses-là. Et on essaie de se concentrer sur ces petits problèmes de la vie quotidienne. Mais je ne suis pas sûre si ça va rester comme ça à long terme. Parce que de temps en temps aussi, j'entends les gens parler. S'il y a des problèmes trop graves ici, théoriquement, on peut faire une autre révolution française. C'est marché une fois, pourquoi faire une deuxième fois? C'est quoi le résultat d'une pensée comme ça? Alors, le peuple ne fait pas complètement confiance à son État, mais aussi l'État, et la peur de son peuple. Et parce que les événements autour de 1789, la Révolution française, ont marqué tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Aussi les gens qui gouvernent ce peuple, même jusqu'à aujourd'hui, si ce ne sont pas les rois et les reines, et les hommes politiques, il y a encore certaines choses qui sont la situation est restée un peu pareille. Mon travail aujourd'hui, ma mission on peut dire, c'est prévenir les choses et de m'engager pour la paix. Et n'oubliez pas que seulement la paix peut garantir notre sécurité, notre abondance, notre stabilité, notre bien-être quotidien. Que faire alors dans la situation actuelle? Ce qu'il nous faut, c'est, comme j'ai déjà dit, l'intégrité et la transparence. Surtout, c'est de ces niveaux-là.
intégrité et transparence. Et dans cette quête-là, la volonté, la place de faire la révolution, de compter sur une évolution. Et voilà. On peut se poser la question pourquoi la situation à long terme, la situation de l'époque n'a pas vraiment changé. Et moi, je reçois les messages, la situation n'a pas vraiment changé parce que pendant cette révolution à l'époque, on a plutôt essayé de régler les choses brutes. On cherche de changer les choses par l'extérieur, pas par l'intérieur. Et si aujourd'hui on veut changer les choses, on veut avancer, c'est par l'intérieur. Et c'est aussi changer la base de nos pensées, de notre esprit. Et pour faire ça, j'ai reçu une autre très jolie image. Je vais vous mettre ici sur mon tableau. Donc, comment on peut changer la situation ici, là? Ok. Alors, on peut dire classiquement, on a une hiérarchie. Comment écrire là? Hiérarchie, ok. Hiérarchie. Alors. Ça c'est classique. Dans plein d'états, on peut dire partout, les hiérarchies, c'est-à-dire qu'il y a juste pas beaucoup de gens qui sont en haut. Au top, on peut dire il y a beaucoup de gens qui sont en bas. Okay? Souvent, ça c'est l'état, c'est sur le peuple. Mais c'est aussi le même système dans une entreprise. Il y a un chef, souvent, il y a plein d' ouvrières. Et cette hiérarchie, ça donne toujours l'impression d'en haut en bas. Et c'est quoi le résultat? Si il y a une pression d'en haut en bas, il y a toujours après une contre-pression, puis une pression sur l'autre côté. Okay? Jusqu'à aujourd'hui, ce système, on trouve presque partout dans notre monde. Et voilà, c'est en bleu, c'est la liberté, l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai reçu cette image-là, je trouve que c'est très cohérent. Voilà. Ça, on peut remplacer par ça. Et ça, c'est notre système. Moi, j'appelle ça les cercles concentriques. Cercles concentriques. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, il y a une ou deux personnes au milieu, des personnes autour, peut-être 5-6 personnes, après encore d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment la grande foule, la grande masse, ça, c'est tout le monde. Okay? Comme vous voyez, et, tout ça, ça va vers l'horizontale. Ça va vers là, et après, ça peut être vers là. Et ce mouvement est beaucoup plus naturel et paisible que ça, parce que ça va toujours créer la violence à long terme. La pression et la contre-pression. Okay? Et ça c'est une situation très paisible, très naturelle. Si par exemple vous jetez une pierre dans l'eau, dans un lac, ça va faire exactement le même mouvement. Okay? Exactement ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça veut dire là aussi, on a un centre. On a aussi une ou deux personnes, comme le président, un roi, et n'importe quoi, qui est au milieu. Et si on n'a pas un centre, ça donne un peu n'importe quoi. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de quelqu'un ou une ou deux personnes qui sont au milieu. Et ces gens-là, ils vont garder l'esprit de cette communauté. Ils vont garder cette énergie et l'esprit. Et l'esprit ici en France, surtout, bien sûr, c'est la prospérité, c'est le bien-être, tout ça, mais aussi liberté, égalité, fraternité. Voilà. Et ces personnes-là, elles devraient agir exactement dans ce sens-là, mais sur une base horizontale et pas verticale. Alors, j'ai parlé de tout ça, je regarde où je suis dans mon texte.
Voilà. Ce qu'elle est importante aussi, c'est... voilà. Et je trouve que c'est une très jolie image qu'on peut utiliser un jour à long terme partout dans notre monde. Mais je trouve que c'est très joli que je trouve cette image surtout ici en France. Parce que voilà, les, et les valeurs ici, ce sont l'égalité. Et ça, c'est le système qui peut garantir l'égalité pour tout le monde. Et voilà. Et concrètement, j'ai reçu les messages du ciel, on peut dire, laissez partir Louis XIV. C'est le moment de lui dire au revoir. Même si Versailles est jusqu'à aujourd'hui un bâtiment fantastique, même s'il y a encore plein d'autres traces du roi du soleil, de l'architecture, par exemple aussi Paris, qui sont magnifiques, mais quand même Louis XIV, qui est comme un peu comme l'esprit sur la France, alors comme on a l'impression que cette énergie est encore là, il a pas vraiment s'orienté principalement sur le bien-être de son peuple, même s'il a quand même fait aussi de temps en temps un bon travail, mais son sujet principalement, c'était un peu son propre bien-être. Il a cherché la gloire, il a cherché d'être fier, il a cherché un peu son propre bien-être. On peut dire qu'il a travaillé un peu pour son propre ego. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que nous, on a besoin aujourd'hui, c'est que ces gens-là, ils travaillent pour le bien-être de tout le monde. Et là, on voit déjà sur cette base-là, on ne peut pas avoir la grande gloire, mais on garde l'esprit et il faut trouver un gouvernement qui cherche principalement de garder le bien-être de tout le monde. Et si on fait ça, c'est une donner et recevoir, ça veut dire on donne et on reçoit. Si. Alors, j'explique encore une fois, intégrité et transparence, on va demander de notre gouvernement, on peut dire, et en même temps, à place de faire la révolution, si on n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe ici, c'est s'orienter avec une image ça, de ça, et plutôt compter sur une évolution à long terme, et aussi un développement par l'intérieur, parce que si on change les choses à l'extérieur, ça va toujours revenir. Alors si nous, chacun de nous, arrive à intégrer cette image de la horizontale, déjà ça va aider beaucoup. Voilà. Conclusion alors pour les élections aussi qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Moi, je peux juste vous encourager d'aller voter, parce que utilisez s'il vous plaît ces droits que vous avez et que vos ancêtres, que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ont établi pour vous profiter aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de voter pour votre gouvernement aujourd'hui. Profitez de cette occasion et essayez de voter avec la sagesse. Vraiment regardez qui vont être ces personnes qui gardent cet esprit au maximum. Cet esprit de liberté, égalité, fraternité. Cet esprit de intégrer transparence. Voilà. Alors j'espère mon message est un peu clair. Je suis désolée que quand je parle, c'est pas encore super fluide, mais bon, j'essaie de me débrouiller. Voilà, ça c'était un peu mon message pour aujourd'hui, un message de la paix. Je suis Anna Sophia Michilis, reporter un peu du ciel, on peut dire. Voilà, et c'était Spirit News pour aujourd'hui. J'espère que vous aimez un peu cette vidéo. Et si vous aimez bien transmettre ce message que je vous donne aux autres, vous pouvez le partager. Voilà.
Alors, portez-vous bien. À une autre fois. Merci pour avoir regardé et revoir.